Discours numéro 7 de Victory. Sujets principaux abordés. Faire toute chose avec un sentiment de victoire. Appeler la victoire de la lumière partout. La peur. L'annihilation totale de la force sinistre va se produire. La fin d'un cycle. Discours. Bien-aimé, rien ne sert d'accepter ou d'accorder de l'importance à quoi que ce soit, sauf à la victoire de la lumière. Je veux charger en vous notre sentiment positif de l'inévitable victoire de la lumière. Et si vous voulez prendre la détermination inébranlable de ne reconnaître que la victoire de la lumière, qui produit de la perfection pour vous et par vous, alors vous me donnez la plus grande opportunité d'action. Cela permet à tous les pouvoirs de la lumière d'amplifier par leur et ma victoire cosmique tout ce que vous émettez. Il suffit d'accepter et de reconnaître continuellement la victoire pour l'amener en manifestation extérieure dans les circonstances physiques qui vous entourent. Si vos limitations sont venues parce que vous avez continuellement dit ou accepté « J'ai été ceci et j'ai été cela. Je suis dans une telle détresse et dans une telle autre. » Si l'acceptation de ces circonstances vous a mis dans les limitations actuelles, alors l'acceptation de ma présence, de ma victoire, de mes légions, de mon autorité, de mon pouvoir cosmique, de mon amour cosmique doit inévitablement se manifester dans la plénitude de ma perfection, comme les limitations dans lesquelles vous avez été embourbés depuis des siècles. Tout ce sur quoi vous concentrez votre attention peut être changé par la flamme cosmique de ma victoire cosmique et par ces qualités de m'être ascensionné qui ont assuré ma victoire depuis si longtemps. Un grand éveil a eu lieu en ce moment dans le monde extérieur. Il suffit maintenant que le peuple prenne conscience de ce qu'il désire et de le vouloir avec détermination pour que les portes s'ouvrent toutes grandes devant l'avalanche du pouvoir cosmique et devant l'assistance qui sont nécessaires pour transformer les conditions de l'octave physique en cette perfection qui a déjà été sur Terre et qui va revenir. Je viens vous charger avec une force qui vous rappellera que vous devez tout faire avec le sentiment de ma victoire. Les forces sinistres menacent de provoquer des troubles si ceux qui servent la lumière veulent prendre le commandement et imposer leur autorité. Nous aimerions que, dans vos décrets en groupe et dans votre application privée, vous acceptiez le plus possible ma victoire de la lumière. La victoire est la liberté de la lumière de Saint-Germain. La victoire est la puissance de la lumière d'Hercule. La victoire est l'amour de la lumière du Seigneur Maitreya. Le silence cosmique est le pouvoir de lumière du Veilleur silencieux. Plus vous reconnaissez la victoire et la qualité spéciale de chacun des êtres cosmiques dont vous avez demandé l'assistance, plus vous intensifiez le pouvoir protecteur et la pression qui force la victoire de la lumière à se manifester avec son autorité extérieure dans les affaires du monde physique. Appelez la victoire cosmique et l'autorité de la lumière du grand divin directeur. Appelez la victoire et l'opulence de la lumière du puissant seigneur Mahachohan et de la puissante Virgo, ainsi que des grands êtres qui dirigent les forces des éléments. Appelez la victoire et le pouvoir de la lumière de la déesse de la lumière et de la reine de la lumière. Appelez la victoire cosmique et la guérison par la lumière de bien-aimée Nada, bien-aimée Marie, bien-aimée Meta, bien-aimée Kuan Yin et bien-aimée Diana. Dans les mois à venir, appelez toujours la flamme cosmique de la victoire cosmique, puis la qualité que vous désirez dans tous vos décrets IAM. Nous verrons alors quelle pression et
Quelle force vive cela libérera dans la structure physique de la Terre, comme une barrière contre toute force obscure. Nous vous demandons d'affirmer votre victoire, votre lumière, votre liberté et l'autorité du peuple du monde dans l'octave physique. Je pense que vous appréciez à sa juste valeur l'assistance qui vous vient du grand silence. L'étoile d'amour secrète intensifie sa radiation et son expansion du feu sacré pour le maintien de la paix. Si dans les mois à venir, vous maintenez vos décrets pour mon pouvoir de la victoire et pour la flamme cosmique de paix cosmique, vous nous donnerez l'opportunité de mettre en action certains pouvoirs de la loi cosmique pour lesquels ces décrets sont indispensables. Les forces sinistres se trouvent confrontées à la réaction de leur propre discorde et, comme le moment de leur annihilation complète approche, la peur intensifie leur effroyable malignité. Il est recommandé que tous les étudiants du IAM fassent des appels afin que la peur et le doute soient annihilés dans tout l'univers. Vous vous efforcez parfois de vous débarrasser de ces sentiments, mais le reste des humains est encore sous leur influence. Il faut donc concentrer vos décrets sur ce point, afin de vous libérer de la pression massive de ces sentiments. Vous devez, consciemment, par l'autorité de votre propre puissante présence I AM et du cœur des maîtres ascensionnés, ordonner que vous soyez libérés. Libéré à jamais de la pression massive de certains sentiments qui ont tenu toute la race humaine en captivité pendant des siècles. Le doute et la peur sont deux de ces sentiments. L'égoïsme et la discorde sont des sentiments analogues, car toute peur est de l'égoïsme et tout doute est de la discorde. Le mental et les sentiments des humains sont fortement influencés par l'accumulation de sentiments qui ont été acceptés par la masse du peuple pendant des siècles. Souvent, une vague de ces sentiments incite une personne à accepter bien des choses qui auraient été refusées si cette suggestion n'avait pas été là. Lorsque vous vous serez coupé et libéré de la pression de cette accumulation massive de certains sentiments, vous constaterez que votre autorité et votre pouvoir agiront plus rapidement. Bien souvent, nous avons consumé la création humaine des individus. Nous avons aussi enlevé toute l'accumulation. Nous avons enlevé cette substance, puis nous l'avons purifiée. Mais la structure atomique du corps a eu tellement l'habitude d'accepter ce taux vibratoire agissant dans le mental et les sentiments qu'elle continuait à ressentir cette vibration, alors que toute l'accumulation avait été réellement consumée. Par des appels positifs sur ce point particulier et en employant l'autorité de votre propre courant de vie, vous devez accepter que vous êtes libre de toute conscience qui n'est pas la victoire, la liberté, la pureté et la perfection de la lumière. Ce sera comme si la main de votre présence retirait de votre structure atomique tout eau vibratoire qui vous relierait à la pression massive et à l'acceptation des qualifications et des sentiments de discorde de toute l'humanité. Vous éprouverez alors plus de courage et vous serez plus conscient du pouvoir et de la maîtrise de votre propre puissante présence I AM, exerçant son contrôle sur les forces destructives. Alors, la lumière prendra son expansion avec plus de force. Nous voulons intensifier l'action de la lumière cosmique au travers de vous et du monde, afin d'encercler des forces très destructives qui influencent certains individus et pour leur faire sentir qu'ils ont complètement échoué. La lumière cosmique intensifie son activité.
Ordonnez que la substance de cette lumière cosmique encercle et dissolve toute menace dans le monde avant qu'elle ne puisse agir. Je viens pour charger en vous le sentiment de la victoire cosmique que vous devez manifester partout. Je serai à vos côtés. Donnez-moi vos appels et ils seront tous exaucés. Il nous faut l'acceptation maximum de la victoire de la lumière par le peuple dans l'octave physique. Il ne faut pas que le peuple accepte par peur que les forces sinistres arrivent à leur but. Les courants de la force sinistre sont rejetés dans leur centre d'émission et ce centre sera enlevé de la terre. Votre appel pour la victoire de la lumière suffit pour refouler ces forces indésirables dans leur cause. Je me demande si vous savez ce que cela représente lorsque j'ai dit que je n'ai connu que la victoire pendant des centaines de milliers de siècles. Ne réalisez-vous pas que lorsque je charge dans votre corps émotionnel mon sentiment et ma force vive qui se sont constitués pendant des siècles d'activité, cela forme une pression cosmique qui est beaucoup plus forte que n'importe quelle force négative. Acceptez ma victoire dans tout ce que vous faites. Prenez position et déclarez que vous ne souhaitez avoir affaire qu'avec ma victoire dans tout ce que vous faites. Chargez toute parcelle de substance que vous contactez avec mon sentiment de victoire cosmique. Appelez la lumière de ma victoire dans tout ce que vous faites. Sentez-vous enveloppé dans ma présence lumineuse. Sentez ma flamme cosmique. Sentez le pouvoir de ma voix et soyez la manifestation de ma force vive cosmique de cette victoire que vous appelez. Lorsque vous voyez le mot « victoire » imprimé dans le monde extérieur, n'oubliez pas de le faire suivre par de la lumière. Bien sûr, il n'y a jamais de victoire réelle pour les forces destructives, mais elles ne le savent pas. Si vous qualifiez toujours le mot victoire avec de la lumière, alors chaque fois une décharge de lumière se produit. La victoire de la lumière est l'unique victoire dans tout l'univers. Tout un jour sera faillite. Mais la lumière persiste éternellement. Seule la lumière contient l'intelligence qui permet d'agir et de créer la perfection. Seule la lumière peut triompher sur ce qui a semblé s'opposer au plan divin et à son accomplissement par l'humanité. Seule la lumière est la victoire. Ma force vive de centaines de milliers de siècles de victoire est une accumulation de lumière telle qu'aucune force sinistre ne peut s'en approcher sans être instantanément anéantie. I am, je suis votre victoire, je vous l'ai promis, et si vous voulez relire plusieurs fois mes discours, vous saurez combien vous êtes près de mon cœur. Vous pouvez comprendre combien vous êtes près de votre victoire, car votre victoire et ma victoire sont une. Il est impossible de diviser la lumière. En intensifiant la lumière au point où vous le désirez, vous approchez de ma force vive cosmique de victoire cosmique. Puisque I am, je suis la victoire, je suis la victoire cosmique de la lumière. Alors, vous comprenez que les ombres fuient à mon approche. Mes légions sont les anges de la victoire et manipulent des pouvoirs qu'aucun être humain n'a jamais vus. Occasionnellement, les humains ont vu un fragment de leur action, mais personne n'a jamais vu mes légions cosmiques de victoire cosmique en pleine activité dans l'atmosphère terrestre. Je vous demande d'attirer, par votre appel conscient dans l'octave physique de la Terre, la totale action cosmique de mes légions cosmiques des anges de la victoire. Puisse l'atmosphère de la Terre être tellement chargée par leur lumière. Puissent les pouvoirs de la Terre surgir et raréfier l'atmosphère
au point où les humains voient les projections de la lumière et soient forcés de plier le genou et de reconnaître d'où viennent les pouvoirs de l'univers qui dispose d'une autorité qui dépasse l'humain. Appelez l'action cosmique totale de mes légions cosmiques de la victoire cosmique, afin d'arrêter et de prévenir tout ce qui provoquerait de la destruction dans le monde, ou créant de la discorde entre les peuples qui sont pourtant appelés à vivre en harmonie. Appelez mes légions cosmiques des anges de la victoire dans vos affaires, dans vos foyers, dans votre entourage et dans ceux que vous aimez, et je vous prouverai que les pouvoirs de la lumière n'oublient jamais ceux qui leur appartiennent. Mes légions d'anges de la victoire disposent d'armes secrètes et les humains sont impuissants devant leur pouvoir et devant l'autorité qu'ils ont sur certaines activités de la lumière que personne ne peut défier. J'ai souvent vu la peur qui saisit ceux qui, pendant des siècles, ont osé s'opposer à la victoire de la lumière lorsque le cercle cosmique de flammes bleues les encercle. Ils savent à ce moment-là ce que signifie la victoire de la lumière et ils reconnaissent l'autorité et le pouvoir du feu sacré. Le feu sacré est une part de mon activité pour la Terre. I am, je suis l'action cosmique de la flamme cosmique d'amour cosmique, de pardon cosmique et de victoire cosmique. Ma victoire du feu sacré peut être douce comme une brise printanière, mais s'il le faut, l'éclair peut instantanément se manifester dans l'atmosphère si nécessaire pour la victoire. Quant à vous qui êtes restés fidèles à votre puissante présence I am et au cœur des maîtres ascensionnés, vous qui aimez, qui appréciez et qui êtes reconnaissant pour la connaissance cosmique qui vous permet d'employer mes qualités. Aujourd'hui, à l'heure de l'ajustement final, je me tiens à vos côtés. Je vous révélerai quelle aide votre amour pour la lumière peut attirer pour votre nation, au moment où la décision finale pour la liberté doit être prise. Ensuite, l'ère de la paix permanente sonnera pour la Terre. Je ne suis pas restée dans l'atmosphère de la Terre pour une vague possibilité de victoire. N'ayant connu que la victoire pendant des centaines de milliers de siècles, vais-je maintenant changer mes habitudes? Serais-je ici pour interrompre un état qui est vieux de près d'un million d'années? Certainement pas. Lorsque j'ai décidé de rester pour vous assister jusqu'à la fin de la lutte, je savais ce que je faisais et j'ai décidé d'établir le pouvoir de la victoire autour de vous si vous l'acceptez. Cela sera la fin des forces sinistres sur la Terre à jamais. La bien-aimée déesse de la lumière a gagné sa victoire par ses appels constants pour plus de lumière. Elle est ma propre fille dans le service. Elle est la victoire de la lumière dont son pouvoir est la manifestation. Comme mes légions de la victoire, elle ne connaît pas la défaite. Il suffit d'accumuler toujours de plus en plus de lumière par votre constant appel conscient à la lumière pour déclencher une avalanche de la lumière qui assure la victoire à jamais. J'ai toujours été aux côtés du puissant cœur des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques qui gouverne la destinée de la Terre. J'ai toujours attiré la flamme cosmique de la victoire cosmique aux côtés de bien-aimé Saint-Germain, de bien-aimé Jésus, dans leur service séculaire pour la liberté et la victoire de l'humanité. Je demeure donc aussi auprès de ceux qu'ils ont aimés si longtemps pour donner le pouvoir cosmique de ma victoire au moment critique pour le monde. Qu'il n'y ait dans votre mental et dans vos sentiments acceptation de quoi que ce soit sauf de la victoire de la lumière. En donnant vos appels, vous libérez un pouvoir de la victoire dont vous ne comprenez qu'une infime partie.
Si vous voulez accepter le pouvoir cosmique de la victoire du cercle électronique du soleil physique, vous déclencherez une amplification de l'action cosmique de cela que je représente de la planète Vénus. Lorsque vous désirez amener en manifestation une quelconque qualité de ces grands centres individualisés de l'action cosmique de la lumière et du feu sacré, il suffit de fixer votre attention sur eux en donnant d'abord votre adoration à votre puissante présence I Am, puis en faisant votre appel à la présence et au centre choisi. Votre propre énergie ainsi émise mettra en action le pouvoir de la victoire que vous demandez. Par votre attention, vous contactez ces grands centres et votre amour, votre gratitude et votre appel sont un courant d'énergie qui ramène comme automatiquement un courant qui a l'intensité nécessaire pour exaucer votre appel. C'est pour vous assister que ces grandes manifestations cosmiques de lumière, de pouvoir et de victoire de l'univers sont établies dans ce système de monde et à certains points de la surface de la Terre. Sachez donc que c'est la loi cosmique qui a décidé de mettre fin à ce qui a détruit les dons divins faits à l'humanité, à ce qui a osé s'opposer à l'accomplissement du plan divin pour toute la création. Voilà pourquoi je suis venue de cette glorieuse planète de beauté et de bonheur et avec d'autres grands êtres qui donnent leur aide pour la purification de la Terre, nous demeurons dans l'atmosphère de la Terre. Chétive humanité, chétifs êtres humains qui opposent leurs désirs discordants humains au plan infini de toute la perfection du grand dessein de la création. Pas de doute, ils sont plongés dans les ténèbres. Cette vibration doit être enlevée et elle sera enlevée des sentiments humains par des manifestations que personne ne peut expliquer et dont le pouvoir les obligera tous à se plier. Les manifestations de lumière qui obligeront les humains à voir l'action cosmique de la lumière, de l'intelligence et du feu sacré doivent venir, et tous devront se courber devant elles. L'arrogance des sentiments a duré assez longtemps. Lorsqu'on en vient à l'ajustement final des plans et des circonstances sur cette planète, les pouvoirs de la lumière entrent en action cosmique avec une intensité tellement puissante que l'identité extérieure des humains est menacée d'annihilation si cette obstination humaine ne cède pas et n'obéit pas à ce qu'elle sait pourtant être son maître, sa source et le pouvoir suprême de l'infini à jamais. Une affirmation merveilleuse qui vous donnerait des manifestations miraculeuses et une grande aide si vous la pratiquez dans le calme de votre cœur et dans la privauté de votre demeure, serait de dire à votre puissante présence I Am. I Am, je suis la victoire cosmique de mon obéissance envers toi. La raison en est que si vous reconnaissez que vous êtes la victoire de l'obéissance à la présence, cela donne à votre présence et au maître ascensionné toute l'autorité cosmique requise pour exclure une plus grande part de la pression humaine qui pourrait vous faire faire des choses que vous regretteriez plus tard. Par l'affirmation « I am, je suis la totale obéissance cosmique envers ma bien-aimée présence I am » et les maîtres ascensionnés. Vous remettez toute l'autorité dont la présence vous avez investie à l'origine dans le cœur de votre présence et vous demandez son action cosmique pour la victoire complète, car lorsque vous êtes dans la victoire de l'obéissance cosmique, il n'y a aucune opposition possible. Il n'y a ni peur, ni doute, ni opposition de qualification humaine, car l'humain sait que la création humaine individuelle ne peut résister aux forces cosmiques. La force la plus sinistre sur cette planète se rend
lorsqu'elle voit que le pouvoir cosmique est en action. Elle sait que c'est la fin. Elle sait que la résistance n'est pas possible devant certaines forces en action cosmique dans l'atmosphère ou dans la structure de la Terre. En reconnaissant votre victoire d'obéissance cosmique, c'est comme si vous disiez « Puissante présence I am, voici tout ce que tu m'as donné, reprends-le et donne libre cours à ton œuvre cosmique. » Mes bien-aimés, je souhaite pouvoir écarter le voile dans l'atmosphère de la Terre et vous montrer ce que signifie la victoire cosmique. Je souhaite pouvoir vous montrer la force vive de ma victoire cosmique. Je souhaite pouvoir vous montrer l'intensité de la lumière de Vénus que j'ai attirée pour faire l'ancrage de ma force vive de la victoire dans la planète Terre, afin que sa radiation puisse se répandre et attirer dans son cœur les courants de vie qui aiment et désirent vraiment la lumière. Pour aider votre prochain et pour corriger les conditions du monde extérieur, vous disposez de trois puissants courants d'assistance illimités. Premièrement, vous avez tout ce que je vous offre de mon propre courant de vie de victoire. Deuxièmement, vous avez le pouvoir de la planète Vénus où il ne règne que le bonheur, la victoire et l'autorité de l'amour cosmique. Troisièmement, vous avez l'assistance du cœur angélique et des légions de la victoire des autres planètes de ce système de monde. Car tout ce qui est de la lumière et qui maintient la victoire dans ce système est un avec mes légions cosmiques de la victoire cosmique. Les anges de la victoire ne connaissent que la victoire. Certains ont été en incorporation humaine, mais la plupart n'a jamais touché la discorde de cette planète et ne connaît pas le sentiment d'un échec. Certains anges ont créé comme un foyer de pouvoir et de victoire qui ne connaît que la perfection cosmique. Ils ignorent tout de ce qui est en dehors de ce foyer. Ce sont ces légions que j'appelle en action et sur lesquelles j'attire votre attention, afin que leur pouvoir vous protège et maintienne l'équilibre partout dans le monde en réponse à vos appels. Il y a un autre aspect de ma victoire dont on n'a pas encore parlé. Chaque être humain qui accomplit l'ascension devient membre de mes légions de la victoire, car l'ascension est la victoire pour ce courant de vie. Tous ceux qui ont perdu le corps physique par la guerre et qui ont reçu l'ascension, deviennent membres de mes légions de la victoire. Il y a donc quatre moyens par lesquels l'assistance d'une action cosmique peut vous être donnée. Appelez cette action cosmique pour prévenir tout ce dont les forces sinistres ont menacé votre continent. Vous souvenez-vous que j'ai dit « Vous êtes mes amis et je suis votre victoire ». Je pense que vous commencez à mieux comprendre ce que je voulais dire. Ces mots sont encore et toujours l'offre de ma liberté et de ma victoire, et si vous acceptez ma présence, alors je suis votre ami de la lumière et vous devenez ma victoire. Comme il n'y a pas de si avec moi, je vous revêts de la flamme de la victoire de mon cœur. Je vous revêts de la victoire de la planète de Vénus. Je vous revêts de la flamme de mes légions de la victoire et des anges de la victoire. Je vous revêts de la flamme cosmique de l'amour et de la victoire de tous ceux qui font l'ascension sur cette planète. Alors, vous êtes ma victoire car les flammes de tous les courants de vie que j'ai appelés à votre aide sont venues à mon commandement. Donc, I am, je suis ici, et I am, je suis là, et I am, je suis la victoire partout. J'appelle cette victoire pour vous assister. En reconnaissant ma flamme cosmique de victoire cosmique et des pouvoirs de victoire cosmique que j'attire de n'importe quelle source que je choisis, vous pouvez, vague après vague,
répandre et faire pénétrer la victoire et le pouvoir cosmique de la lumière dans les conditions du monde extérieur. En demeurant dans la flamme de ma victoire cosmique, vous serez comme sa présence entrant en action. Maintenez l'énergie de votre plexus solaire en harmonie positive. Persistez à appeler les flammes cosmiques en action et nous vous envelopperons dans tout ce qui est nécessaire pour vous rendre victorieux sur tout en ce monde, jusqu'au jour de votre ascension et de votre libération. Nous tiendrons également votre pays dans cette même flamme cosmique de victoire cosmique. Mais nous devons le faire au travers des êtres, car c'est par leur libre arbitre que les pays sont gouvernés, soit victorieusement ou le contraire. Mes très chers, il vous est possible d'avoir votre victoire cosmique en toute chose où vous voudrez charger ces flammes avec de tels pouvoirs, rapidité, force et action cosmique qu'il ne peut y avoir d'opposition. Faisons du monde une coupe de cristal de victoire cosmique, afin que la liberté cosmique de Saint-Germain, son autorité cosmique, son abondance et sa protection surgissent automatiquement avec sa liberté pour tous. Je n'ai jamais dit grand-chose concernant ceux qui sont venus avec moi. Nous sommes un groupe qui a pris la responsabilité de monter la garde et d'attirer autant de flammes cosmiques de la victoire cosmique en action croissante qu'il est nécessaire pour assurer la victoire finale pour toute la Terre. La victoire cosmique de bien-aimé Saint-Germain est le chant de triomphe de la musique IAM, célébrant la libération de la Terre de toute création humaine à jamais. Dieu merci, le cycle est arrivé où ces réalisations sont permises et où Saint-Germain, le Seigneur de la flamme violette pour la terre, peut purifier la terre de ce qui n'est pas la lumière. Le moment est arrivé où la victoire de l'ordre va régner. Il s'agit seulement de continuer les appels et lorsque la force vive aura atteint le point voulu, en 2 secondes, la lumière surgira dans la vague finale et la discorde humaine ne sera plus. À chaque appel, je peux amplifier ma flamme cosmique de victoire cosmique en un océan embrasant toute la Terre. En surgissant, elle refoule dans sa cause ce qui s'est opposé à l'accomplissement du plan divin et elle purifiera le monde de tout ce qui a cherché à contaminer ses peuples. Pensez à dire « I am, je suis la flamme cosmique de la victoire cosmique pour le monde » et sa lumière surgira pour annihiler tout ce qui ne lui est pas semblable car la flamme cosmique de la victoire cosmique signifie l'expansion de la flamme spontanée de son cœur. Elle enveloppera la terre et les forces sinistres seront refoulées dans le camp de la lumière jusqu'à leur dissolution dans tout l'univers. J'ai attendu longtemps le moment où j'aurais pu vous exprimer mon amour et ma gratitude pour ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je veux que vous sachiez aussi quel amour je porte à ce puissant être, l'archange Michaël. Lui aussi est un grand être qui ne connaît que la victoire et, en tant qu'archange, il commande à de nombreuses légions qui portent la victoire partout. Il peut envoyer légion après légion d'anges de la victoire et du feu sacré en action cosmique pour tenir le commandement à jamais. Vous vous aimez dans l'octave physique. Je me demande si vous comprenez combien nous nous aimons dans l'octave des maîtres ascensionnés. Si vous savez combien les grands êtres cosmiques expriment leur amour les uns pour les autres. J'aime l'archange Michaël. J'aime bien-aimé Saint-Germain, bien-aimé Jésus et bien-aimé Nada, qui a si souvent aidé les humains à s'élever vers les hauteurs. L'expression de notre amour est le chant de la lumière de l'univers.
lorsque nous exprimons notre amour et notre gratitude l'un à l'autre pour les services rendus, c'est notre propre lumière qui répand plus de sa perfection, de ses bénédictions et de son bonheur, emplissant l'univers autour de nous, tandis que le plan divin cosmique de la création déploie sa puissante action cosmique. Lorsque bien-aimé Saint-Germain s'incline devant Maître Jésus et lui exprime son amour, c'est une symphonie éternelle qui résonne. L'amour et les salutations que les grands êtres échangent lorsqu'ils se croisent sur le chemin de leur activité cosmique est une explosion de musique joyeuse qui crée une forme magnifique, qui est le début d'une nouvelle bénédiction pour la création. C'est ainsi que les humains devraient vivre sur la terre, échangeant amour, bénédiction et gratitude à chaque rencontre. C'est en répandant des bénédictions dans l'atmosphère qu'une chose merveilleuse commence à se créer, répandant sa beauté et sa radiation sur le reste de l'univers. À l'avenir, pensez à cela. J'appellerai la mémoire divine des maîtres ascensionnés afin qu'elle vous aide à faire ces appels silencieusement ou à haute voix si vous êtes seul. Appelez le pouvoir des maîtres ascensionnés en action afin de pardonner et d'oublier ce qui n'est pas nécessaire. Donnez votre attention à cela qui est autant que possible, mais sans tension. Bénissez tout dans le monde avec notre victoire cosmique et faites-le avec joie, comme si vous chantiez. Renoncez à toute conversation destructive et remplacez cela par l'affirmation de la victoire cosmique qui sauvera le monde de toute détresse et arrêtera la guerre. Dans votre application privée et en groupe, il serait bon d'affirmer « I am, je suis la victoire cosmique de tous les désirs divins de ma présence dans mon monde et dans tout ce que je fais à jamais. » Affirmez votre victoire cosmique de tout ce qui est divin, en vous et autour de vous. Affirmez notre victoire cosmique partout. Répandez. Répandez cela et soyez en paix et heureux car il n'est pas possible de reconnaître la victoire cosmique sans être heureux. C'est une affirmation I am qui vous apportera un bonheur permanent. Plus vous donnerez ce décret, plus vous serez détendu et joyeux, moins il y aura de tension et d'effort. Ce décret vous débarrassera de cet affreux sentiment de lutte. Il fera disparaître les limitations et les problèmes. Puis-je compter sur votre coopération? Maintiendrez-vous ces appels assez longtemps pour permettre aux manifestations de se produire de plus en plus rapidement? Avec tout l'amour et la gratitude de mon être, avec tout le dévouement de mes légions de la victoire, avec tout l'amour et le pouvoir enveloppant du feu sacré des puissants anges de la victoire, avec la flamme puissante de la victoire cosmique de la planète Vénus, avec les plus puissantes bénédictions cosmiques de la puissante présence I am et du corps mental supérieur de toute l'humanité, et spécialement avec la gratitude et l'amour de ceux à qui l'ascension a été accordée. Je vous revais avec la mémoire de votre droit divin de naissance, afin que, par les pouvoirs de la lumière, vous soyez victorieux sur toute création humaine que vous remarquerez. Tout ce qui n'est pas de la lumière doit être dissous un jour par la lumière. Ma flamme cosmique de victoire cosmique est le pouvoir cosmique de la lumière suprême du grand soleil central. La flamme, la lumière et la substance du cœur de la création sont la victoire de la lumière à jamais. Je vous remercie et je répète, vous êtes mes victorieux amis de la lumière et I am, je suis votre victoire jusqu'à votre ascension. Ensemble, soyons la victoire et la liberté du monde à jamais.
Je vous remercie. Note de ma part à l'auditeur. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey Reking et Lotus. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seule la lecture véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres.